Bonjour à tous, ici Cléa Sim. On se retrouve pour ce 9e épisode sur Orcs Must Die 2. Je vais y arriver. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait refait entrée de service, on avait réussi à voir les 5 crânes. Maintenant, on va essayer d'aller dans les couloirs, voir un petit peu ce qu'il y a de disponible. On va changer aussi un petit peu notre grimoire, en tout cas modifier ce que l'on a. Dedans, parce que ce qu'on utilise comme piège, on avait vu qu'on avait certains pièges qui n'étaient pas tant utilisés que ça et qui nous servaient peut-être pas tant. Donc, peut-être voir pour justement modifier ces pièges-là et avoir des pièges qui vraiment correspondent à ce dont on a besoin. Là, on voit qu'on est dans un couloir. Alors, je sais pas dans quelle mesure on peut. Alors, c'est vraiment un très très grand couloir pour le coup. Est-ce que nos adversaires ont la capacité de venir ici? Semble-t-il que non. Et il y a des choses plutôt intéressantes. Ça veut dire qu'on pourrait mettre des archers ou des nains à ce niveau-là pour balancer des bombes et des archers sur les hauteurs. Et en tout cas envoyer les orques valser. Les envoyer si possible dans la lave. Alors on va voir si ça les envoie de l'autre côté ou pas. Ça serait assez important quand même de savoir ce genre de choses. Là, est-ce qu'on a encore la possibilité? Plus vraiment. Ok, c'est parti, on lâche tout le monde. Alors je vois des choses derrière moi, mais je sais pas ce que c'est. J'espère qu'ils vont pas sortir derrière moi parce que sinon je serais pas bien. Ah d'accord, ils sont envoyés de là-bas en fait. Ce qui est pas une si bonne nouvelle en fait au final. C'est pas une bonne nouvelle ça qu'ils sont envoyés de là-bas. Donc on va réessayer, puisqu'on sait la chose. Je vais réessayer en modifiant légèrement mes pièges. On va faire ça un peu plus intelligemment, bien sûr. Puisque mon but, c'est que les orques aillent dans la lave, pas qu'ils atterrissent sur les hauteurs. Parce que les hauteurs, j'aimerais pouvoir y mettre des archers. Alors même si je peux les mettre sur les piédestals, je pense que ça devrait être suffisant. Et en plus, je n'ai pas modifié ce que je voulais modifier. Donc autant comme ça, on va pouvoir vérifier. Donc déjà, on va se mettre là où je voulais vérifier les choses. Alors ça, lui, on va le mettre ici. On va mettre les archers à cette place-là, même si je les ai pas modifiés plus que ça. Voilà. Je pense que dans cet ordre-là, on sera beaucoup bien, beaucoup mieux. Alors, on voit qu'il y a des volants quand même, hein. On a des ailes démoniaques, hein, qui peuvent cracher du feu. Et on a aussi les bestioles cracheuses de feu. Alors, on a deux sortes de bestioles, apparemment. Donc, eux ont l'air d'être plutôt rapides. Ah, il y a quand même du monde, hein. Fait perdre 5 points de faille. D'accord, donc là théoriquement, déjà je devrais pouvoir voir des choses un peu plus intéressantes. Donc on va reprendre les pièges. Mais on va les faire tirer de l'autre côté. Alors, 1, 2, 3. Et normalement si j'aligne. Et est-ce que j'ai assez dans ces cas-là pour mettre directement des archers, emplacement invalide. Comment ça, je peux pas les mettre là? Je peux vraiment les mettre. Je peux pas les mettre là au-dessus. Alors attendez, on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut les placer. Alors le souci, c'est que là, j'ai l'impression qu'ils peuvent passer. Il y aurait des portes. Hey, il y aura des portes ici. Donc c'est pour ça que c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, il faut protéger suffisamment ici. Je pense. Et là, je peux pas les mettre en dessous. Non. Ça marche. Là, pour le coup. L'archer.
Qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà, beaucoup mieux. Ok. Donc j'aurai deux archers qui devraient pouvoir faire le travail. Le souci étant, c'est que là je suis pas très bien armé. Avancez, n'ayez pas peur, mes enfants. Et ça peut arriver derrière. Ça, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup, beaucoup. Alors normalement, eux vont pas servir non plus des masses, mais j'aimerais voir l'utilité, voir... Ouais, non. Ça me va pas. Ou alors il va falloir que je augmente le nombre de... Oh, je les avais pas vus. Et un archer déjà qui est haut. Ah oui, en effet. Donc là, ça me pose un gros gros problème pour le coup. Quand vous voulez. Ça me pose un gros gros problème. J'aurais dû revendre les... Ça, ça me pose un problème, ça, en fait. Ça me pose... Oh, purée. Ça me pose un gros problème. Ok, donc j'ai les élémentaires monstrueux de terre. J'ai commencé à peine à m'amuser. Bon, alors on va virer déjà ça. Ok, ça déjà, ça va faire un peu le ménage. Alors les archers... Je me baignerai dans votre sang. Ah, les bestioles C'est tellement fatigant de tuer des orques. Ok. Ça par contre ça me plaît pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir j'espère que... alors, on sait qu'ils vont arriver par derrière. Donc on va devoir protéger à l'arrière. Normalement, les archers, voilà, se sont relevés. Donc ils devraient pouvoir faire le travail. On va récupérer cette pièce-là qui va m'aider à mettre un piège supplémentaire. Déjà là, on a le couloir qui est protégé. Pas autant que je voudrais. J'aimerais voir si on peut placer des nains sur les côtés. Même si, à mon avis... La réponse, je l'ai quasiment, mais... Je
Ok, ça c'est protégé. Pour l'instant, ils sont que là, donc ça me va à peu près. Ok. Ménage fait de ce côté-ci. Pas évident. A mon avis, la dernière vague va faire mal. Hein. Va faire vraiment très mal. Je vais te donner une bonne leçon. Je suis la meilleure. Ah bah pour l'instant, t'es surtout pas sorti d'affaire, ma belle. Ok, ça c'est passé. Oh. Le problème c'est que c'est tout ouvert en fait. Et que là j'ai pas mis de piège du tout. Ok, donc là on est protégé pour l'instant. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, beau, mais. C'est qui sont. Ok, pour l'instant, si, il y en a un qui est passé. Il hein. Y en a un qui est passé. J'ai pas pu l'arrêter. D'accord, il y en a un qui est passé. Et deux qui sont passés. Ah, dommage. Ouais, sauf que je sais pas d'où ils vont venir. Et s'ils viennent de tous les coins à la fois, je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout. Là j'ai mis deux pièges. Là j'ai rien mis du tout. Okay. Est-ce que je peux mettre des nains là-dessus? Non, je peux pas. Hein. Apparemment, je peux pas. C'est gênant parce que je sais pas du tout comment défendre tout ça en fait. Je vais rajouter. Mais non, j'ai plus de quoi faire des archers, j'ai que des pièges de pique maintenant. Bon. Excellent.
Allez. Ok, de ce côté-ci, on arrive à peu près à se défendre. Alors, est-ce qu'il lui tire dessus? Si, il lui tire quand même dessus. Sauf que là, ça passe. Allez, on court, on court, on court. Ouf, juste à temps. C'était juste à temps. Allez gros, bats-toi. Aïe 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 aïe. Ok, donc pas de bol. Il y en a deux qui sont... Enfin, il y en a plein qui sont passés. C'est une catastrophe. J'arrive vraiment, vraiment pas à la faire, cette mission. J'ai pas trouvé. Je pensais avoir trouvé la solution avec les. Avec les trampolines et rien du tout. Là pour le coup. Vous pouvez vous mettre en rang, s'il vous plaît. J'ai même failli mourir pour le coup. J'ai manqué de mourir pour le coup. Ok. Alors là, ça va être compliqué. Comment on va faire? Plus de sang. Toujours plus de sang. Ok, ça nettoie à peu près. D'où tu me tapes, toi? Non, 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 viens avec moi, toi. Ok, ça c'est bon. Ok, le combat de titan. Ah, j'arrive pas à les faire passer, hein. Enfin, j'arrive pas à les bloquer, c'est monstrueux. On va rajouter des pics ici. On va rajouter hein, parce que... Ok. Bon, là-bas ça passe pas. C'est déjà ça. Quelle mort grandiose.
Ok, on a réussi. Ouais, c'est très bon à manger de l'orque aussi, mais bon, j'ai oublié une pièce, mais en même temps, c'est pas très grave, ça. C'est pas le plus grave. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait mal. Ah oui, bah là, j'ai pris une grosse claque. Celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Vraiment, j'ai mal géré. Bon, déjà, j'ai pas les archers d'améliorer. Ça, ça aide pas beaucoup. Là, on arrive à le passer, en fait. On arrive à tenir le côté. C'est là-bas au fond où j'ai beaucoup plus de mal. On va peut-être placer deux archers supplémentaires, un de chaque côté, parce qu'ils font quand même le café, hein, mine de rien. Ils font quand même le café, mais j'ai du mal. C'est les portes du fond où j'ai vraiment plus de mal. Alors est-ce que je pourrais placer des murs et mettre des archers derrière? Ça pourrait être intéressant, mais à 700 le mur, ça coûte quand même très cher. Et là, je peux agir normalement. Ok, un moment. Il faut mettre des pièges de façon un peu intensive. Parce qu'il y a encore des hordes à tenir. Hein. Je vous ai manqué, les gars. Ah là, mes archers, ils font un travail du tonnerre de Dieu. Donc je pense que pour le prochain épisode, on refera celui-là. J'en ai pas vu qu'il y en ait qui passaient, là. Si, toi, tu passerais pas. Ok, les volants, c'est pas un problème. Ok, donc ça, ok. Donc vraiment mettre des archers à cet endroit-là, les archers font vraiment, vraiment un bon café. Ça passe même plutôt bien et on arrive mieux à défendre, j'ai l'impression.
Ok, donc ça s'est passé. Ok, donc là la protection est passée. Et même on n'a rien perdu ici. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a rien perdu sur ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Le froid va les saisir. C'est trop beau. Ah, et les archers font un travail formidable. Comme ça, moi j'ai le temps de m'occuper de ceux qui sont en l'air. Ah, c'est même très très bon en fait. Ok, donc ils sont plutôt très précis les archers au final, j'ai l'impression. Est-ce que les gros sont passés? Non. Ah, je suis mort. Pas de bol. J'aurais tenté, hein, mais ça n'aura pas fait ce que je veux. Ok, donc ça j'ai bon, j'ai compris comment les gérer ceux-là. Ok. Bah non, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Il reste une vague. De quel côté est l'entrée? Là-bas. Ok, donc il y a tout le monde qui arrive en même temps, semble-t-il, ici. Par contre, là où ça va être moins drôle, ça va être là derrière. On va aller quand même abattre rapidement. Ok, donc lui est mort. Les archers, ça fait un café grand cru là pour le coup.
On n'est pas passé loin de la catastrophe là. Ah mince, ils l'ont laissé s'échapper celui-là. Ouf. Bon, très mauvais cette partie-là. Pas de crâne supplémentaire, si, 3. Bon, c'est pas énorme. On a eu les pièges muraux. Produit automatiquement des barils de bombes. D'accord. Bon, très très compliqué cette mission, je pense qu'on va être bon pour la refaire, au moins pour améliorer tout ça. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à commenter, partager, mettre un petit pouce bleu si vous pensez que je le mérite. Et on se retrouve pour un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut!